Bonjour, bonjour, ici c'est Stéphane, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Mon avis sur un film, pour aujourd'hui, le film que j'ai vu, c'est un film qui est sorti le 12 juillet 2017. Il dure 1h50. Un film de James Poonostock avec Emma Walston, Tom Hanks et John Boyega. Genre thriller, drame, science-fiction. Nationalité américaine et voilà. Après, je vais vous parler du film The Circle. Voilà, The Circle, un film qu'il faut trouver. Qu'est-ce qui se passe? Thriller. En fait, c'est une jeune fille qui se fait un peu aussi par une entreprise, The Circle, quoi. En fait, l'entreprise là, c'est une entreprise de technologie. En fait, dans tout le monde, dans un futur proche, ils vont être suivis par des tout petits caméras, c'est comme des billes, partout dans le monde. Après, il va y avoir plein de trucs. Après, les trucs, la vie privée, après la jeune fille, elle va mettre une caméra là, comme une télé-réalité, quoi. Après, il va y avoir plein de d'abonnés. Je pense en 100 milliards d'abonnés. Après, je raconte pas trop. Après, elle va réussir à trouver des gens recherchés par la police. Des gens qui a tué, des gens recherchés. Après, des gens sont beaucoup recherchés, tout ça, à la rive. Mais quand même, Tom Hanks s'est mis le petit film de ce film. Et voilà, c'est le patron de ce truc. Et voilà, il n'est pas honnête, quoi. Et puis, il va y avoir plein de trucs. Comme j'ai dit, c'est un film thriller. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner à ce film? Moi, je mettrais la note de 3. Un bon film, quoi. C'est bien regardé une fois dans sa vie, quoi. Voilà, puis j'aime bien les acteurs. Thomas, il joue très bien. Après, l'actrice Emma Walson, moi je l'ai vu dans Harry Potter, tout ça. C'est rare que je vois un film d'elle, quoi, qui est vraiment la fiche de ce film, c'est elle, j'adore de ce film. Elle joue très bien. Drame, tout ça, voilà, thriller, c'est bien. Voilà, que moi, qu'est-ce que vous dire de ce film? Allez regarder quand même. C'est un thriller, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui se passe de ce univers, quoi. C'est à vous de trouver, quoi. Et moi, comme je dis, c'est un bon film. C'est pas le film exceptionnel, c'est pas le film, mais ça faut regarder une fois dans sa vie, et puis voilà. Voilà, quoi. Ce film-là, vous pouvez le trouver à partir de 11 euros. À 11 euros. Alors, ça servait, excusez-moi. Je sais plus quoi. En DVD, tout ça. Alors, en Blu-ray, vous pouvez le trouver en 12 euros sur la Fnac et 4 euros sur Amazon. Voilà, quoi. Bon, moi je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Et puis laissez pas les commentaires si vous avez vu ce film. Et voilà. Comme je dis, là je suis en vacances, là, je peux faire des vidéos. À partir de la semaine prochaine, il y aura une vidéo de collection. C'est la partie 27 de ma collection Blu-ray. Ça sera à partir de la semaine prochaine, quoi. Je ferai ça. Et peut-être une vidéo aussi de collection série complète de jeux vidéo, peut-être je ferai ça.
Mais comme je dis, à partir de soir, à partir de matin, il y aura des mon avis sur un film, la série, je sais pas, je regarde pas de série en ce moment. J'ai dit, j'ai terminé Rome. Je vais attendre un petit peu pour regarder une nouvelle série, on verra quoi. On verra ça quoi. Voilà. Bon allez mes amis, moi je vous quitte et je vous dis ciao et à la prochaine. Bye.